Les plus grandes grèves à Hong Kong depuis des décennies à l'échelle de la ville ont eu de graves répercussions sur l'économie locale. L'indice des directeurs d'achat de Hong Kong, un indicateur économique clé, a chuté à 43,8 en juillet contre 47,9 en juin. Cela signifie sa pire dégringolade depuis plus de 10 ans. Et la confiance des entreprises de la ville est à son plus bas niveau depuis fin 2015. En raison des manifestations violentes, de nombreux acheteurs et touristes choisissent de rester chez eux. 22 pays ont mis en garde leurs citoyens de se rendre à Hong Kong. Le nombre de passagers a chuté de 1,5% à 26% en juillet et est tombé à 31% lors de la première semaine d'août. Le déclin a non seulement commencé, mais il est aussi en train de s'aggraver. On estime qu'un million de personnes dans les secteurs du tourisme et de la vente au détail seront touchées. L'année dernière, par exemple, les revenus fiscaux ont atteint un record de 342 milliards de dollars hongkongais. Je pense que c'est très peu probable étant donné les données sur les ventes au détail que nous avons vues cette année. Chaque mois a été négatif, qu'ils soient capables de répéter cela. Nombreux sont ceux qui préviennent que l'économie de la ville pourrait sombrer dans une récession et que la confiance des investisseurs en souffrirait si elle continuait à être ébranlée par les troubles dans les rues. La guerre commerciale avec les États-Unis pèse également sur l'économie locale. Donc pour ce qui est de l'avenir, plus les troubles vont durer, je pense qu'il est très probable que l'économie de Hong Kong connaisse une récession technique au troisième trimestre. Elle s'est contractée au deuxième trimestre. Il est fort probable qu'elle se contracte au troisième trimestre. Jeudi, une dizaine de grandes chambres de commerce de Hong Kong ont publié une déclaration commune critiquant vivement l'escalade des émeutes et appelant à la restauration rapide d'un environnement social et commercial stable et sûr dans la ville. Et pour eux et pour de nombreux citoyens de Hong Kong, leur avenir ne peut être pris en otage par des manifestants radicaux.